I want to thank you all for your participation and your patience with, you know, the few tricky moments in terms of technical aspects. And I will now give the floor to the several people that are going to conclude this session. Laurent Croisier from the National Opera of Bordeaux, because I will be reminding you that we are in Bordeaux today. So he is in charge of PR and audience development at the opera. This is a way of including in our reflection today, not only music teaching, but also performers and theaters. So Laurent Croisier will be joining us on stage, as well as our three representatives of the FFEA and the EMU to conclude this day. Thank you so much again to all of you, and a special thanks to the musicians, because I can testify it was such a relief and a great moment to hear live musicians today. I hope that in a few days you will all be able to enjoy such experiences, and I'll see you soon. Thank you so much. Qu'est-ce qu'il parle ? Pas de problème. Vous avez très bien assuré. Pas de soucis. De toute façon, il fallait. Moi, j'étais dans le lit. Vous allez le faire. Parce que c'est normal. So, thank you, Mary. Je vais maintenant parler français, bien entendu. Nous sommes arrivés à la fin de cet après-midi et nous avons parlé de l'avenir des écoles en France et dans les pays européens. Maintenant, nous allons parler de ce qu'il y a au-delà des écoles. Au-delà des écoles, eh bien, il y a le spectacle vivant, et en particulier l'opéra. L'opéra qui rassemble tous les arts que nous travaillons dans les écoles, la musique, le théâtre, la danse, le chant. Et tous ces arts-là sont réunis dans l'opéra. Nous allons faire une balade dans les opéras d'Europe grâce à Laurent Croisier. Mais auparavant, je vais vous faire une petite chronique personnelle sur le monde de l'opéra. Évidemment, et je m'en excuse à l'avance, cela n'aura pas du tout la tenue et la hauteur de vue des propos philosophiques, intellectuels qui ont été tenus jusqu'à présent et dont nous avons largement apprécié la qualité. Nous serons plutôt dans le niveau de l'anecdote. Voici cette chronique. Vous souvenez-vous du temps où les soirs, les gens sortaient, ils s'habillaient, ils se donnaient rendez-vous dans des lieux de spectacle. Ils arrivaient, se serraient la main, s'embrassaient, se parlaient sans masque. Puis ils montaient dans la salle. Ils se bousculaient dans l'escalier, ils s'asseyaient dans les fauteuils l'un à côté de l'autre. Dans la salle, on entendait monter ce murmure excitant qui précède les représentations. L'orchestre s'accordait, les lumières s'éteignaient et le rideau se levait. Sur scène, des personnages mythiques vivaient des histoires d'amour qui ressemblaient aux nôtres. Parfois, l'histoire était violente. Le ténor était poignardé. Alors, il se mettait à chanter. La soprano, qui était coloratour, dramatique, lyrique, mais toujours capricieuse, lançait son contrut. Et dans la salle, on se pâmait de bonheur. Ah, c'était le bon temps, le temps ancien, le temps d'avant la crise sanitaire. Bon, bien sûr, les choses vont revenir en l'état et on l'espère très vite. Et alors, à ce moment-là, on se souviendra de l'importance de l'opéra dans notre culture et notre civilisation. Dans l'architecture de nos villes, les maisons d'opéra sont parfois aussi considérables que les mairies ou les cathédrales. On y fait, comme je le disais tout à l'heure, un spectacle total, où sont réunis les arts que nous enseignons dans nos écoles, la musique, le chant, la danse, le théâtre. Ce sont aussi des lieux de carrefour social. Car malgré ce que l'on dit parfois, il n'y a pas que les riches qui vont à l'opéra. Les pauvres y vont aussi. Mais la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres y vont pour entendre et les riches souvent pour se montrer. C'est pour ça d'ailleurs que les théâtres à l'italienne ont été conçus avec les loges latérales de manière à ce qu'on puisse voir et être vu. Parfois dans les opéras également, on fait de la politique. Souvenez-vous,
il y a 150 ans, en 1871, ici même, dans la ville de Bordeaux, alors que Paris était assiégé par les Prussiens, l'Assemblée nationale française est venue siéger à l'Opéra de Bordeaux. Et parmi les députés qui se trouvaient là, il y en avait un que toute l'Europe connaît, c'était Victor Hugo. Victor Hugo, ah, combien de députés avons-nous à l'heure actuelle en France, en Europe, qui sont des Victor Hugo ? On peut se poser la question. Victor Hugo a inspiré de nombreux opéras, une cinquantaine d'opéras à travers l'Europe. Victor Hugo est la preuve que le théâtre et l'opéra dépassent les frontières. Et nous allons le découvrir dans un instant, justement, dans l'exposé de Laurent Croisier, qui va nous faire voyager au travers des opéras d'Europe. Et on pourrait, à cette occasion, imaginer une farandole où les héroïnes des différents opéras, des différents pays d'Europe se donneraient la main. Carmen donnerait la main à Marguerite. Marguerite à la Tosca à Elisabeth, Elisabeth à la Valkyrie à Yennoufa, Yennoufa à Roussalka, Roussalka à la Dame de Pique, et ainsi toute l'Europe danserait. Et alors, on s'apercevrait une fois de plus que cette harmonie européenne que les hommes politiques qui ne sont pas des Victor Hugo ne sont pas arrivés à accomplir, la musique, elle, peut la réaliser. Eh bien, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc un voyage au travers de l'Europe que je me propose de vous faire vivre pendant ces quelques minutes pour achever la journée très dense que vous avez eue. Alors, peut-être tout d'abord, vous expliquer en deux mots quel est ce projet de la création de la route des théâtres historiques d'Europe. Il est né en 2012. Et il est à l'initiative d'une association qui se nomme Perspective et qui avait pour mission de, une sorte de projet de mettre en relief le patrimoine des théâtres historiques d'Europe. Il y a environ 3000 théâtres historiques en Europe et l'idée de l'association était de faire ressurgir en quelque sorte la richesse et la diversité de ce patrimoine. C'est pour cela que pendant plusieurs années, avec l'aide de l'Union européenne, eh bien, ont été désignés dans différentes parties de l'Europe des représentants ou connaisseurs du patrimoine théâtral pour qu'ils désignent dans leur pays ou dans leur région un groupe de théâtre susceptible de représenter cette diversité et cette richesse du patrimoine européen. Ainsi, 120 théâtres ont été isolés. Alors, si vous le voulez bien, nous allons parcourir ces diverses routes en commençant peut-être par l'une d'elles. Alors, on la voit apparaître, cette route des théâtres historiques d'Europe, avec ses chemins. Et puis, il y a là la première que je voudrais vous faire découvrir. Il s'agit de la route de l'Adriatique. C'est une route qui nous emmène notamment au travers de certaines richesses patrimoniales exceptionnelles. La première que je voudrais vous présenter, c'est le Théâtre national de Belgrade. Le voici. Alors, ce théâtre est inauguré en 1869. C'est une commande du prince de Serbie qui s'appelle Obrenović III. Et ce théâtre est signé d'un architecte serbe qui est probablement l'architecte le plus connu, Aleksandar Buganski. Et cet architecte va s'inspirer pour ce théâtre de la philosophie de la Scala de Milan en Italie. Comme vous le savez, l'histoire des théâtres à l'italienne vient d'Italie. On y reviendra tout à l'heure lorsque nous fréquenterons la route du nord de l'Italie. Parmi les pépites de cette route de l'Adriatique, il y a également le fameux théâtre qui est le théâtre royal Zetskidom. C'est un théâtre qui se situe dans la capitale du Monténégro, à Cetinje. Cette capitale est la capitale du Monténégro de la fin du XVe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est une capitale historique en quelque sorte, capitale royale, princière. Et quand la ville se détache de la domination de l'Empire ottoman en 1878, eh bien, il devient possible de construire de nouveaux théâtres dans cette région de l'Europe. Et c'est ainsi qu'est bâti le théâtre royal Zetski entre 1884 et 1892. Ce lieu abrite également aujourd'hui un musée,
une salle de lecture, une bibliothèque. C'est un véritable centre culturel qui témoigne de l'histoire musicale des Balkans. Et puis, parmi les pépites toujours de cette route de l'Adriatique, je voudrais citer le fameux théâtre de l'Arsenal de Var. Il est construit entre 1278 et 1797. Vous allez me dire, il y a beaucoup de temps qui sépare cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce théâtre, entre 1278 et 1797, Var appartient à la République de Venise. Et le théâtre, lui, pardon, est commencé en 1612. C'est le gouverneur vénitien Pietro Semintiecolo qui décide de faire construire un théâtre au premier étage de l'Arsenal. Et c'est ainsi que ce grand bâtiment, qui n'avait pas de vocation culturelle à l'origine, devient un théâtre. Il a beaucoup changé au fil des ans, et la version actuelle date de 1803, ce qui en fait, par son histoire, l'un des plus anciens bâtiment théâtral d'Europe, mais aussi un des plus anciens théâtres de Croatie. Alors, des Balkans aux Alpes, il n'y a qu'un pas, et c'est ainsi que je vous emmène dans la route des Alpes. Trois exemples aussi, il y en a plus, bien entendu, mais j'ai sélectionné des ouvrages différents, et notamment ceux existants à Munich. Nous sommes ici dans la Münchner Kammerspiele. C'est une façade néo-gothique qu'a ce théâtre. Et à l'intérieur, on trouve un très bel exemple de motifs floraux imaginé par Richard Riemerschmidt, qui fait de ce théâtre un des chefs-d'œuvre de l'Art nouveau. Et toujours à Munich, nous trouvons aussi un très bel exemple d'un théâtre exceptionnel, un théâtre dans lequel va se produire une partie de l'histoire artistique de l'Allemagne, bien sûr. Songez qu'en 1865, Richard Wagner avait dû fuir Munich. Mais en 1901, l'architecte Marc Littmann décide de construire ce théâtre du prince régent que vous voyez, précisément pour qu'il accueille les compositions de Richard Wagner lui-même. Et puis, je n'hésiterai pas un instant à évoquer avec vous, dans cette route des Alpes, le théâtre du Jora, qui est un sublime théâtre à Mazières, en Suisse, qui est au nord de Lausanne. Ce théâtre entièrement en bois est inauguré en 1903. Il comprend 1000 places et c'est un des lieux essentiels de la culture helvétique. Alors, des Alpes à la Baltique, je voudrais vous présenter maintenant quelques théâtres essentiels de cette région autour de la Baltique, et notamment celui-là qui se situe à Tallinn. On est à Tallinn dans un théâtre qui a la vocation de se présenter esthétiquement comme un théâtre d'inspiration allemande. Il est imaginé pourtant par Alexei Bubir et Nikolai Vassiliev, architecte de Saint-Pétersbourg, et il est inauguré en 1910. Parmi les perles de la route de la Baltique, à Vilnius, il y a également le théâtre dramatique de Lituanie, que vous apercevez maintenant. Ce théâtre est construit en 1913, au tout début du XXe siècle, et c'est un architecte qui s'appelle Vaclav Michelvics et un autre qui s'appelle Alexander Parchevski, qui est un théâtre situé dans la ville de Vilnius, qui sont eux des architectes qui se sont attachés à une architecture assez imposante pour donner le prestige à ce bâtiment qui est un des éléments essentiels de la ville de Vilnius. Et puis, je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce théâtre à Varsovie, qui est le théâtre Arnold Schiffam Polski. Ce théâtre est créé par un des grands architectes polonais qui s'appelle Czesław Przybylski, et ce théâtre est ouvert dans un esprit Art Nouveau en 1913. Au moment, et on en voit quelques échos avec le théâtre des Champs-Élysées, au moment, vous le savez, où on a cette magnifique création du Sacre du Printemps du duo Stravinsky-Nijinsky. Cela nous emmène à aller un peu plus au sud, vers la route de la mer Noire.
cette route de la mer Noire, c'est une route qui nous permet de passer de Bucarest et son Odéon Théâtre à Iași, avec le splendide et assez classique ou néoclassique théâtre qui est le théâtre Vassili Alexandri, le théâtre national. Et enfin, on retrouve un très beau théâtre qui s'épouse avec l'architecture de la ville, qui est celui d'Odessa, le théâtre national de l'Académie d'opéra et de ballet. Enfin, un petit mot sur un espace de l'Europe qui n'y est plus tout à fait aujourd'hui, mais qui en fait partie géographiquement en tout cas, c'est l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle la route qui traverse la Manche, la route du Channel. Et on a là un certain nombre de pièces essentielles du patrimoine théâtral européen. Alors très vite, d'un côté à l'autre de la Manche, le très beau théâtre royal du Parc à Bruxelles. Et puis, à Bury St. Edmunds, le théâtre royal, sobriété et élégance de couleur britannique. Et puis, je voudrais faire un petit mot sur un théâtre qui porte le nom d'une très grande artiste d'opéra qui s'appelle Adelina Patti, très grande chanteuse italienne. Et nous sommes ici à Craigie Crow pour admirer ce théâtre qui n'a pas une forme de théâtre à l'italienne, comme vous le voyez, mais qui est une forme de théâtre plutôt à la française, qui ne possède pas ces fameuses loges ou balcons latéraux. Enfin, permettez-moi de prolonger cette promenade au centre de l'Europe par la route impériale. Nous sommes là avec un certain nombre de théâtres absolument somptueux, et notamment ce théâtre du château de Chesky-Krumlov, qui est une des perles dont on voit ici la machinerie, très belle machinerie du XVIIIe siècle qui est préservée. Un mot aussi sur celui-là, essentiel du patrimoine de cette route impériale. Nous sommes là à Litomsi, c'est le Palace Théâtre. Et puis, je voudrais vous dire un mot sur ce théâtre qui me tient particulièrement à cœur. Et j'y ai fait une émission il y a plusieurs années. C'est le Théâtre des États ou le Théâtre Neustiftz à cette époque de Prague, puisque c'est ce théâtre très important pour l'histoire musicale européenne. Vous évoquiez tout à l'heure l'opéra. C'est ici que Mozart a créé en 1787 son Don Giovanni. Et c'est un très rare lieu de théâtre dans lequel Mozart, qui existe encore et dans lequel Mozart est joué. J'ajoute que dans ce théâtre, pour la petite histoire, eh bien, ont eu lieu les répétitions de Don Giovanni, évidemment. Mais il y a là une rencontre assez curieuse. Il y a bien sûr, pour préparer le travail de Don Giovanni, dans cette année 1787, le librettiste Lorenzo da Ponte, qui évoque l'histoire du séducteur, mais il y a à Prague, à ce moment-là, et sa présence est attestée, Casanova. Exactement, un personnage haut en couleur, qui n'est autre que Casanova. Il n'est pas interdit de penser, même si aucun document en atteste, que Casanova ait participé ou assisté à certaines répétitions et peut-être même influencé Mozart et da Ponte dans leur chef-d'œuvre. Je voudrais maintenant vous emmener dans la route germanique. Cette route germanique, c'est une route très dense, très riche, évidemment, dans le patrimoine théâtral. Il y a notamment la ville de Bayreuth. Alors, vous connaissez tous le Festspielhaus, ouvert en 1876 par Wagner, mais je voulais vous donner un aperçu de ce théâtre extraordinaire dans la même ville qui est le théâtre du Margrave, le Margravialtheater de Bayreuth, avec cette philosophie baroque qui est portée ici à son apogée. Il y a aussi, de manière tout à fait différente, un théâtre absolument superbe, dans une élégance beaucoup plus sobre. Nous sommes là à Hanau. Il s'agit du Playhouse Wilhelmsbad. C'est un théâtre très sobre, beaucoup plus petit évidemment, mais qui possède une élégance identique. Et puis, n'oublions pas d'évoquer un théâtre blanc, dominant et or, avec ses sièges rouges, qui est celui de Potsdam.
Permettez-moi de vous emmener maintenant beaucoup plus au sud. Nous sommes dans la route ibérique. Cette route ibérique, qui englobe les théâtres du Portugal et de l'Espagne, est une route qui nous emmène dans un lieu assez formidable, un lieu qui mérite toute l'attention, puisque c'est une forme théâtrale assez atypique, peu présente en Europe. C'est l'histoire des chorales de comédia. Ce théâtre, en fait, est enserré dans une sorte de double enchaînement d'immeubles. Et entre ces bâtiments, il y a une sorte de corridor, une rue en quelque sorte, et les Espagnols ont décidé au XVIIe siècle, pourquoi pas, eh bien, puisqu'ils se retrouvaient sur leur balcon face à face, d'utiliser cet espace pour installer là des fauteuils et une scène. Et c'est ainsi qu'est née la philosophie, l'esthétique des chorales de comédia. Songez qu'on est ici au début du XVIIe siècle, à Albagro, pour ce théâtre de 1629. Parmi les splendeurs de la route ibérique, il y a le très beau théâtre et son plafond luxuriant de Évora. Et puis, n'oublions pas le style très 19e du théâtre espagnol à Madrid. Un mot particulier maintenant, tout à fait au nord, pour cette route nordique. En effet, la sensibilité au patrimoine théâtral est très développée dans les pays du nord de l'Europe, et en particulier en Norvège, en Suède, en Finlande, avec une attention parfois qui est assez différente de l'esprit italien, où le théâtre a une vocation vraiment d'être utilisé pour la scène, pour le spectacle vivant. Dans les pays du Nord, on a parfois une sensibilité patrimoniale qui vise à faire en sorte que certains théâtres soient destinés à être plus que des musées, à être visités. Et c'est ainsi qu'on peut croiser des splendeurs absolues. Je commence par le théâtre de Drottningholm, à quelques kilomètres de Stockholm, où on a là l'un des plus beaux témoignages de théâtre du XVIIIe siècle, avec un éclairage qui a été totalement réinventé pour reproduire l'esprit d'un éclairage assez faible quand on y pénètre. On est assez peu habitué à cela. Et puis, c'est un théâtre qui possède encore toute sa machinerie du XVIIIe siècle. Et en parlant de machinerie, si vous allez en Suède, je vous invite à fréquenter le petit théâtre du château de Gripsholm, que vous voyez là. Ce fameux château possède un théâtre tout petit, qui est une sorte de miniature du théâtre de Drottningholm, qui est exclusivement dédié à la visite, mais qui possède la totalité de sa machinerie du XVIIIe, et vous pouvez fréquenter du dessous de la scène jusque dans les cintres tout ce qui permettait le mouvement des décors. Les cordages, même si ce mot n'est pas employé dans les théâtres, mais sont encore présents avec toutes les machines de la mécanique de scène du XVIIIe siècle. Et puis, pour terminer, j'évoque aussi rapidement le théâtre d'Istadt, qui est un des plus beaux que l'on trouve dans ces pays du Nord. Terminons par un pays qui est très connu pour sa richesse exceptionnelle en théâtre historique. J'évoquerai l'Italie, et nous sommes là en présence de quelques bâtiments essentiels de l'histoire du théâtre européen. Voici le théâtre Farnese à Parme. C'est un théâtre de la cour des ducs de Parme qui a été construit par Aleotti en 1618 sur la commande de Ranucci Ier. Et c'est un théâtre exceptionnel dans sa disposition, comme vous le voyez. Une sorte d'amphithéâtre qui permet de regarder tous dans la même direction. La scène, on est au tout début du XVIIe siècle, en 1618. Il y a aussi un petit bijou beaucoup moins connu, à Sabionetta, qui est dans la même philosophie. On n'est pas encore dans l'esprit des théâtres à l'italienne. C'est la transition entre l'époque de la Renaissance et les théâtres à l'italienne qui viendront un petit peu plus tard. Et puis, je terminerai cette route italienne, même si elle est très riche, par le sublime Teatro Olimpico. C'est un théâtre qui est le chef-d'œuvre de l'architecte Palladio. Nous sommes en 1585 et c'est le premier témoignage de théâtre à l'italienne, c'est-à-dire de théâtre, même s'il est encore, il n'a pas encore la forme du fer à cheval et des balcons latéraux, c'est le premier théâtre en quelque sorte couvert
mais on y a entreposé à l'intérieur l'esprit du théâtre romain, du théâtre antique. Vous voyez ce demi-cercle en face d'une scène assez plane, et on creusera le fer à cheval peu à peu en poursuivant l'époque de la Renaissance et du Baroque pour aboutir au théâtre à l'italienne tel qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis, pour terminer, je voudrais vous dire un mot de notre route, la route des théâtres historiques de France, que j'ai eu le plaisir d'inaugurer en 2017. Cette route comprend 12 pépites, parmi lesquelles celle qui se situe dans la ville où vous êtes aujourd'hui, ce grand théâtre de Bordeaux, construit par l'architecte Victor Louis. C'est un théâtre qui est à tout point exceptionnel, du XVIIIe siècle, qui a la chance de n'avoir jamais brûlé. C'est un théâtre particulièrement important aussi par sa capacité d'accueil à la fin du XVIIIe siècle. 1800 personnes peuvent s'y rassembler. Mais dans cette route française, il y a aussi certaines pépites. Je montre ici le petit théâtre de la ville de Pézenas. Nous sommes là dans un lieu qui a été fermé pendant plus de 50 ans après que Marcel Pagnol y ait fait un discours juste après la guerre et qui a réouvert il n'y a pas très longtemps avec une très belle restauration qui lui a rendu son âme. Et Pézenas est importante puisque c'est la ville également de Molière. Et on va célébrer Molière, évidemment, en 2022. Un petit mot aussi sur un bijou qui est un théâtre de maison, un théâtre particulier qui est celui de Georges Sand, très grand écrivain romantique français. Et Georges Sand avait dans sa maison de Nohant fait construire un théâtre. Pourquoi ? Parce que son fils Maurice était un passionné de marionnettes et lorsqu'elle recevait ses invités à Nohant, le soir, il fallait les distraire. Alors Maurice, de manière assez spontanée, eh bien, avait créé des marionnettes. Et maman cousait les costumes des marionnettes que le fils allait utiliser. Cela est devenu tellement un must dans les soirées de Nohant que les grands personnages du théâtre du XIXe siècle, lorsqu'ils venaient, assistaient à la fois au spectacle de marionnettes de Maurice, on le voit là sur la gauche, mais aussi répéter leurs propres pièces au fond de la salle dans un mini-théâtre qui avait aussi été aussi conçu par Georges Sand pour ses invités. Un mot encore sur un certain nombre de sublimes théâtres. Il y a les théâtres qui au fond la splendeur de Paris, le théâtre de l'Odéon, l'Opéra national de Paris, le Palais Garnier, que nous voyons ici. Et puis, dans les Vosges, perdu dans la forêt des Vosges, ce magnifique théâtre du peuple de Bussan. Nous sommes là dans un théâtre qui a été construit alors qu'il y a l'industrie du bois dans la forêt des Vosges. Et Maurice Potécher, à la fin du XIXe siècle, veut que les habitants se détournent de leur seule distraction, presque, qu'est la boisson. Alors il construit un théâtre et il invite les habitants à y participer. Et cette tradition du théâtre amateur est encore présente chaque été lorsque la programmation du théâtre du peuple de Bussan s'ouvre où une partie des gens du village participent à l'aventure artistique du lieu. Et puis je voudrais vous emmener dans un théâtre qui a une forme extraordinaire. Vous le voyez, il est dans ce cône qui était au XVIIIe siècle un des fours de fusion pour la cristallerie de Marie-Antoinette. Nous sommes au Creusot. Et à l'intérieur de ce four de fusion, lorsque l'entreprise Schneider rassemble de l'argent pour racheter le domaine, eh bien ce four va être transformé en théâtre de 100 places environ, un théâtre tout à fait curieux. Un mot aussi sur le très beau théâtre du Ranelagh, on est à Paris dans le 16e arrondissement. C'est un théâtre qui appartient à un très riche, qui a été construit par un très riche fabricant de voitures, dont le nom aujourd'hui est oublié, mais un de ses associés, lui, n'est pas oublié, il s'agissait d'André Citroën. Et il y a là l'esprit néo-baroque de ce théâtre, avec une forme pas du tout à l'italienne, vous voyez, rectangulaire, avec de magnifiques caissons de bois peints au plafond. Rapidement, le théâtre des Célestins, qui a été construit sur ce lieu où il y avait jadis un couvent, d'où le nom de ce théâtre des Célestins, qui est à Lyon. C'est un théâtre qui aujourd'hui a une esthétique très 19e, bien qu'ayant été bâti à la fin du 18e siècle. Ici, le théâtre du Châtelet à Paris, très récemment restauré. Et puis, je n'hésite pas à faire un détour par Versailles,
où je vous présente ici la très belle salle du théâtre Montansier, qui possède ses couleurs bleu, blanc et or, ou gris, bleu et or. C'est une couleur à la mode au XVIIIe siècle. C'est celle du Grand Théâtre de Bordeaux. C'est celle du théâtre à Prague, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où Mozart a créé son Don Giovanni. C'est aussi celle du théâtre Manuel, à La Valette, à Malte. Ce sont les très beaux vestiges des théâtres européens du XVIIIe siècle. Un petit bijou encore, ce théâtre du château de Fontainebleau, puisqu'il y a aussi des théâtres dans les châteaux. Celui-là n'a presque pas servi, puisque Napoléon III envisageait d'y emmener, lors de ses chasses, l'impératrice. Mais l'impératrice s'est beaucoup ennuyée, et finalement, le théâtre a été très peu utilisé. Pour terminer, eh bien, il vous suffit de sortir pour aller retrouver celui-là, que vous avez certainement croisé lors de votre séjour. Il s'agit du Grand Théâtre de Bordeaux. Je voudrais terminer en vous disant toute la passion que j'ai eue avec mes collègues européens à faire ressurgir ce patrimoine théâtral et surtout vous dire que c'est quelque part un des témoignages essentiels de ce qu'est l'identité culturelle européenne, puisque nous avons des langues différentes, nous avons parfois des coutumes, des cultures, des poésies différentes, mais un esprit européen théâtral existe. Et c'est l'identité de l'Europe qui est défendue au travers de ces routes. Je vous remercie de votre attention. Bravo. Merci beaucoup pour ce voyage tout à fait passionnant et extraordinaire. Merci infiniment.